On file tout de suite à Évry pour du hockey sur glace. Les Peaux Rouges d'Évry jouaient un match amical samedi contre les Comètes de Meudon. Les Peaux Rouges évoluent en division 2 cette saison. C'était un match très engagé physiquement et cela des deux côtés. Victoire pour Évry 6-2 et revoyez quelques points marqués par les Peaux Rouges d'Évry. Malgré cette victoire, quelques points restent encore à travailler. Écoutons Nicolas Poussin, l'entraîneur-joueur. Ouais, on a bien entamé le match, on a marqué rapidement, ce qui nous a permis un petit peu justement de décanter un petit peu le jeu. Encore une fois, je pense qu'on a eu pas mal de réussites. J'ai demandé à mes gars de remettre un petit coup de collier et de continuer avec plus d'intensité, plus de mouvement pour continuer à performer. Les objectifs de la saison sont bel et bien tracés. Sylvain Devaux nous en fait part. Cette année, clairement, on vise au moins les quarts de finale. Le début de saison se place plutôt bien, donc... Il n'est pas impossible qu'on revoie nos objectifs à la hausse en cours de saison pour viser les demi-finales, mais en tout cas au moins les quarts de finale. On a réussi à attirer des joueurs de talent, des joueurs d'expérience, notamment Nicolas Pousset qui est entraîneur-joueur, qui est un international, qui a 15 ans d'expérience en Ligue Magnus. On a un autre joueur de Ligue Magnus, Romain Gentillot, des joueurs de National 1 comme Arun Mitim, un très très bon Américain, Matt Burto, un très très bon Slovaque, Milan Sejna. Donc oui, on a fait évoluer l'effectif pour être en phase avec nos ambitions.